bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis déterminé à casser des culs, voilà, et casser des zombies aussi, enfin bref, déterminé à exterminer littéralement l'intégralité de ce Walmart. Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Oh, le jeu est beau! Incroyable ça par contre. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on doit aller sauver le professeur. Attends, oh merde, je sais plus ce que j'ai fait. Et on doit aller sauver le professeur d'un destin tragique, hein, vous l'aurez compris. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. La grille qui mène à un transplant ça est ouverte. C'est peut-être à cause du type qui est parti avec le jeu. Toujours est-il qu'il va aller à un transplant ça depuis Paradise Plaza maintenant. Wouhou! Ok, allez, let's go! Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va peut-être prendre ça, à la limite, ça peut être pas si dégueu. Un petit Uzi, histoire de régler les choses claires, nettes et précis. C'est pas le moment de trépasser. Quand tu viens de me pousser, j'étais même pas bon. Quelqu'un tire depuis l'étage supérieur. Oh waouh. Pour lui! C'est un mec qui l'a, Zbi! Oh! Pachamama. Waouh. Hey, c'est le professeur. Attention! Si on n'intervient pas, le professeur va servir de repas aux zombies. Ok. Je vais m'en occuper. Vous, essayez de rester en vie, ok? Attends, et je fais quoi là dans l'histoire? Juste je reste en vie? Aïe. Bon paquet de chips. Affronter l'assaillant. Oh wow. Ok. S'il vous plaît, comment on monte? Oh putain, je crois que c'est derrière. Ok. Ça va être terrifiant. Hein. Ça va être terrible. Carlito, putain, il s'appelle les Carlito, frère, s'il te plaît. Ça va, mon gars? Mets-toi bien. Ok, on va faire un peu le tour. J'en ai ici. Non. Mais qui m'a jeté une greu? C'est lui. Ok. Waouh! Dégage un peu, toi! Putain, arrête de courir comme une salope! Ok. Je peux prendre le snipe ou pas, s'il vous plaît? Il y a tout mis à côté. Je suis claqué.
Ron! Ça va aller. Vous, occupez-vous du professeur. Allez-y! Il est inconscient, mais vivant. Oh, merde! Tout va bien? Oui, mais... Je suis pas en état de le porter. Vous pouvez l'emmener à la salle de sécurité. Ok. Ça va qu'on n'est pas très très loin, hein? Brad, oh mon Dieu! Je lui ai donné un sédatif. Le professeur ne va pas se réveiller avant un bon moment. J'ai pu stopper l'hémorragie. Mais il a une grosse fièvre. Il lui faut des médicaments. Une fièvre. Des médicaments, c'est ça? Oh là là, je suis le héros! Je suis le héros que je pensais être! Allez, dossier 2 sur 3, évidemment. Encore un niveau sup? Distance de lancer. Mais non, mais c'est nul, mais arrêtez de me donner ça, putain! Waouh! Vous me détestez ou quoi, les gars? Donnez-moi de la vie en plus, des trucs cool, quoi! Ça va, toi? Il arrive souvent qu'une blessure par balle cause une inflammation des tissus. Ouais, rien à foutre, allez, dégage. Oh non, mais je suis pas d'accord! Bon, par contre, on a réussi plutôt rapidement, en vrai. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe, là. Ok. Écoutez, j'ai pu prendre l'ascenseur sans trop de problème. Hop, ça c'est beau, ça. Hop, on est bon. C'est trop stylé. Le livre que j'ai est trop stylé. Ah, pas tout le temps. Que des petits 10 pp comme ça, gauche à droite. Ok. Par où doit-on aller? On a un couple urgence médicale, trouver des médicaments. D'accord, couple A, couple B. Par conséquent, je dois... Non, je peux passer par là. Ah mais là, ça s'est fermé là-bas. Je dois sortir derrière. Et en avant Guingamp. Allez, on se barre. L'avantage, c'est que si je vois, ça serait pas mal. Ah, putain! Dégagez! J'ai une urgence médicale! Si je vois un flic avec un flingue, ça serait pas mal que je le récupère. J'avoue que le Easy, il peut m'être utile. Ok, j'en ai. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec, écoutez, on improvise. Ok. Allez, on bombarde. De toute façon, vous connaissez la route. L'avantage, c'est qu'on a un petit resto. En vrai, je peux faire un sprint. Chaud pour un sprint ou pas? Franchement, chaud pour un sprint, hein. Parce que niveau temps, on n'a pas l'air... Ok, go. Oh, j'adore. J'adore. Allez. Pipi. Hop. T'as reconnu ou pas? C'est du Sonic, c'est normal. C'est normal, si t'as reconnu, c'est que t'es un vieux. Bienvenue au club. Allez. Wouhou! Wouhou! Allez, let's go! Ok. Allez, on bombarde. Vous savez quoi? J'en ai rien à foutre, je pense que j'ai largement le temps de me refaire des sprints. Parce que vraiment, c'est pété. On est d'accord. C'est ici. C'est ici. Oh, waouh, juste une bagatte. A bigat. Attends, au pire, je m'en charge.
Ok. C'était... Non, c'était ici, c'était ici. Ouais, ice cream. Ok. C'était lait, me semble-t-il. Et bâtonnet glacé. Ensuite, bâtonnet glacé encore. Again and again. Contrôle. Oh merde. Et un yaourt. Bon, en vrai de vrai. Mmh. Allez. Ah merde, j'ai un appât. Ah, c'était pas prévu. J'ai créé un appât pour zombies. C'est-à-dire que je vais les attirer. Oh, non, c'est terrible. Faut vraiment pas que je boive sans faire exprès. Ok, c'est pas grave. Écoutez, on a un couple à sauver, les amis. On a un couple à sauver. Vous savez ce que ça veut dire, un couple égale deux personnes, n'est-ce pas? Donc, on va les sauver, on va essayer de les sauver. Oh, c'est peut-être là que j'aurais dû rencontrer le clown si j'avais avancé le temps, en vrai. Non ? On a besoin d'aide par ici ! Quelqu'un est blessé ! Féroce, s'il vous plaît, il faut l'aider ! Attends, je me permets une petite casquette, ça fait plaisir. Désolé, ça a coupé. Ça a l'air sérieux. Il s'est fait tirer dessus, en essayant de me protéger. J'ai fait ce que j'ai pu pour lui. Tout va bien. Je m'appelle... Je sens plus du tout mes jambes. Ah, parce que le bruit, j'en sais pas comment je fais pour être encore en vie. Prenez soin de Tonya pour moi, d'accord? Alors, est-ce que Rose va s'en sortir? Calmez-vous. Je comprends. Merci. Je suis désolé, Tonya. Oh. Parfait. C'est ultra dramatique. C'est de votre faute. Comment vous avez pu le laisser faire? Non, non. Allez-vous-en. J'espère que vous vous ferez bouffer par les zombies. Non. Oh. Un type balèze avec une machette dans ce magasin de bricolage, Chris Lip, je veux quoi. Il sait où sont les caméras de sécurité, il fait tout ce qu'il faut pour ne pas... Parfait. Écoutez, j'aurais pas dû lui donner. Ah là là, pourquoi? L'objectif est tout là-bas. Ok. Non. Bah écoute, reste là, J'ai fait mon possible. Je sais pas pourquoi je lui ai donné un flingue. Je pensais il allait se lever et tout arracher. Bon, il s'est levé, il s'est juste arraché la gueule tout seul. Écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Hop. Aïe! Putain! Ça fait mal, mais on reste debout. Ok. L'homme à la machette, toujours. Again and again. Quoi? Ok. Il y a l'homme à la machette toujours. Ouh. On y va, on continue. Pas facile, hein. C'est pas évident, les amis. C'est pas évident, les copains. Ok. Dommage. Ça passe. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Ok, c'est là. Yo les gars. Wouhou. Quoi? Oh non. Y'a pas le mec derrière dans la situation drôle. Parfait. S'il y était. Il y était. Ok, let's go. J'aurais dû prendre une nouvelle batterie. Franck, te voilà au supermarché. L'accès à la pharmacie se fait par la porte située entre les rayons boucherie et poissonnerie. Entre les rayons boucherie et poissonnerie. Meat, boucherie, poissonnerie.
Waouh. Les gars, vous savez ce qui se passe dans des supermarchés, hein? Vous savez ce qui se passe. Oh, je suis pas confiant, hein. Y a pas un four pour chauffer. Je suis désolé que ça fasse autant de bruit, ce merdier, là. Vas-y, on a un livre, on va quand même aller checker le livre. Vraiment stylé ici, par contre. Ok, le seul moyen d'accès, c'est une porte par l'arrière. Super. Super, on est bien. Waouh! Soumets-toi là! Vous! Venez vandaliser mon magasin! Hein? Pas tant que je serai là! Quelqu'un est blessé, j'ai besoin de médicaments, c'est tout! Blessé? C'est exactement ce que cette conne disait quand elle est venue vandaliser mon magasin! Oh. J'ai une sainte horreur du vandalisme. Je supporte pas ça. Ouvre grand tes oreilles et écoute-moi bien, l'ami. Personne ne vandalise mon magasin. Ok, il a chaud. Ça, c'est un pont qui pompe. Ça, c'est un pont qui pompe, hein, toujours. Mais fallait me le dire que j'aurais dû utiliser ça dès le début. Mon magasin. Mon magasin. Qui s'en occupera après ma mort? Mon magasin. Mes produits. Mes ventes. Mais... cher client... passez une bonne journée.
Ce jeu est trop bon, les gars. Ce jeu est trop bon. De retour parmi les vivants. Vous êtes une dure à cuire. Vous pouvez vous lever. Tout va bien, je vous ai vu près de l'entrée hier. Il vous faut des médocs, non? On devrait peut-être faire équipe. J'ai pas besoin de votre aide. Vous autres, vous comprenez rien. C'est vous qui êtes la cause de ce cauchemar. Vous avez détruit Santa Cabeza. Et voilà le résultat. Attends, mais c'est comme ça qu'on me remercie là, les gars? Bien. Et ensuite? J'ai pas compris. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Allez! Retourner à la salle de sécu. Oh là là! On aura le temps? Vas-y, hein, c'est pas grave, on bombarde, hein! Ah, fais chier! J'ai pas le temps, c'est de la merde. Oh non, c'était trop bien, j'ai pas le temps de fouiller. Mais comment je peux... Comment... Je dois faire si vite. Ok, s'il vous plaît, va falloir bombarder les gars. Allez. Allez, allez, allez. Oh là là, niveau timing, vous avez vu comment c'est dur le jeu? Et après, il y a l'homme à la machette, il y a le quad, c'est terrifiant. On a le temps de rien, frère. Je vais prendre ça, et puis si jamais ça part en couille, je le craque, je m'en bats les couilles. Ok. Oh, le temps défile si vite. Oh, j'aurais dû prendre mon skateboard. Allez, 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 allez. Est-ce qu'en vrai, je prends un truc pour speed? Je sais même pas, je sais même pas. Non, je pense pas. Nick. Nick, Nick, Nick. Ok. Oh les gars, j'ai jamais été aussi rapide. Hein. Je n'ai jamais été aussi rapide. Ok. Ouais, bombarde, bombarde, bombarde. Oh là là, niveau timing, on a dû aller à l'autre bout du Walmart. On a dû faire un psychopathe, le tuer, ramasser. Mais heureusement que j'ai pas plus tardé que ça. Heureusement. Ok. Quoi? C'est trop. Je jure, c'est trop. Médicale. Je dois le sauver, frérot.
J'aurai une vérité. Ah ! Ouh ! En vrai, la nuit, faut en profiter pour prendre plusieurs abeilles. Je pense que c'est pas trop. On prendra les flingues au passage, on s'en branle. Ok, je commence à connaître le Walmart par cœur. Non, 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 non. Allez. C'est trop dangereux ici. C'est trop dangereux ici pour vous. C'est trop dangereux ici. C'est trop dangereux ici pour vous. Je vais vous emmener dans un endroit plus sûr. Merci infiniment. Sans vous. Viens, je t'en conjure. Viens. Oh putain, les gars, waouh! T'es à deux doigts de la TK, hein, bats les couilles. Bien. Allez. Bon. Viens là. Oh, let's go! Ouais! Je suis content, je suis grave content. J'avais vraiment peur au début, mais maintenant, je suis contente d'avoir rencontré un type comme vous. Escorterie ici, let's go. Ouh, allez, on y va! Merci beaucoup d'avoir apporté les médicaments. Allez. Trop content. Trop content, trop content. En vrai, je peux faire l'homme à la machette. Alors, attendez. Ok, ok, on va save, on va save, on va save. Allez, c'est bon. Let's go. Le passé du professeur, mais attendez, mais c'est fait ça, non? Retourner à la salle à 11h, j'aurai jamais le temps de faire un aller-retour. Très bien, ceci dit, on a sauvé du monde. Honnêtement, je suis trop content. Ça fait grave plaisir. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Plus d'armes. J'ai plus rien, les gars, je suis à poil. Je suis à poil, il va me falloir un moment de, Va falloir que je trouve un moyen de me reconstruire un peu, là. Retourner à la salle de sécurité à 11h. Est-ce qu'il y a des flics dehors? Je sais pas. Là, il y a quoi, là, en vrai? La porte a été soudée, bah oui. Je comprends pas comment le responsable a pu devenir cinglé à ce point. C'est dingue. Bon. Écoutez, à 11h, on a une nouvelle mission. L'homme à la machette et tout. Je pense vraiment que j'aurai pas spécialement le temps. À voir, hein, à voir où ils sont. Il y en a un là, ok. Et il y en a un à l'autre bout ici. C'est le... L'homme à la machette, c'est là-bas. Un homme grand et brandissant une sorte de machette a été vu. Et l'autre, c'est le Quard. Un survivant apeuré a été vu. Ouais, mais là, les gars, je... Bah ouais, je suis désolé. Je sais même pas qui t'es. Je ne sais même pas qui tu peux être. J'ai aucune putain d'idée. Allez, à 11h, j'ai le temps de faire quoi, là? Mais j'ai le temps de rien faire, hein. On est d'accord, hein, j'ai le temps de rien faire, hein. Bon, allez, c'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là, on commencera avec une nouvelle mission. Dès le prochain épisode, soit l'épisode 7, vous l'aurez compris, je pense. En tout cas, on avance plutôt bien, je suis assez fier de notre parcours pour l'instant, de notre histoire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine. Dormez bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous ai à l'œil. À bientôt pour l'épisode 7. Bisous tout le monde, bye bye.